C'est excellent. Tu progresses vite. Tu peux progresser encore. Je joue chaque jour. Mon père en est saturé. Il aurait préféré que je joue du piano, mais maintenant, il adore la guitare. Il dit que c'est une très jolie musique. Tu vas jouer un peu? Oui. Et mon père a raison en disant qu'il y a de la mélancolie dans cet instrument. C'est exact, ton père a raison. Le son de cet instrument est mélancolique et triste aussi. Il peut aller au tragique et à des sensations plus profondes. Chez les meilleurs guitaristes. Ah, ce n'est pas mon cas. Non, tu n'es pas encore une vraie guitariste. Non, mais faire de la musique mélancolique, cela me plaît. Bon, à jeudi. Rentre vite chez toi. Tu vas jouer, j'aime bien t'entendre en sortant de chez toi. Pour te faire plaisir. Ciao. Ciao. J'ai tout fait relever. Tu as bien fait. Merci, Vinnie. Où étiez-vous à l'instant des coups de feu? Dans ma chambre. J'ai entendu les coups de feu, j'ai couru à la fenêtre et je suis descendu. Herta gisait par terre. Avez-vous aperçu quelqu'un? Non, je n'ai vu personne. Tout était silencieux. Nous savons que les balles ont été tirées dans le dos. Par conséquent, elles pouvaient venir de par là. Je vais m'en occuper. Bon, suivez-moi. Qui est la victime? Son nom est Herta Kolka. Elle est âgée de 22 ans. Il y a 4 semaines qu'elle venait prendre des cours. Guitare? Oui, guitare. Elle venait 2 fois par semaine. Le mardi et le jeudi. Allez, asseyez-vous. Pensez-vous qu'il y ait eu quelque chose aujourd'hui? Réfléchissez bien. Vous a-t-elle paru nerveuse? Avez-vous bavardé tous les deux? A-t-elle parlé de choses privées? Non, non, elle était comme d'habitude. Et comment était-elle d'habitude? Fragile, chaleureuse, dynamique. C'était une fille très sympathique. Vous n'avez aucune idée précise sur ce qui s'est produit dehors? Non, non, pas la moindre. Aucun soupçon? Non. Vous savez, ça a été pour moi atroce. Comme si le ciel venait de s'écrouler. Oui. Bien sûr. Stéphane, tu viens une minute? Oui. L'assassin devait se trouver à cet endroit précis. Voilà deux douilles qu'on vient de trouver. L'homme qui est là est tout à fait déboussolé. Tu veux me donner le 26-28-12. Est-ce que M. Kolka est là? Je souhaite lui parler. Il est à l'appareil. La police criminelle. Que s'est-il passé? Vous êtes madame qui? Madame Roland. Je suis la gouvernante. Et monsieur Kolka sera chez lui quand? Il devrait rentrer dans une demi-heure. Donnez-moi, je vous prie, son adresse. Oui, c'est noté.
Ah, c'est la maison de son père. Mais il a une fabrique de papier. Ah oui, Kolka, ça me disait quelque chose. Bonjour, madame. Ah, c'est sans doute vous qui êtes... Madame Roland. Madame Roland, c'est moi qui ai téléphoné. Monsieur Kolka est rentré. Veuillez me suivre, monsieur. Merci. Vous êtes de la police? Oui. Pardonnez-moi. Assassiné? Oui. C'est insensé. Qui a tué cet enfant? C'est son professeur de musique qui a téléphoné. Venez, monsieur. Il a dit que c'était chez lui qu'on avait tiré sur Hertha. À l'instant où elle montait dans sa voiture. Oui, à cet instant-là. Avez-vous l'assassin? Non, nous n'avons encore personne. Nous ne le connaissons pas. Nous commençons l'enquête. Mais qui a osé faire ça? Pourquoi? Je me le demande. Excusez-moi, je suis un homme anéanti. C'est incompréhensible. Où est mon enfant? On l'a mise à l'institut pour autopsier le corps. Pardonnez-moi. Le juge en a décidé ainsi. Le juge en a décidé ainsi. Pourquoi a tué cette gosse? Pourquoi? C'était sa chambre. Madame Roland. Excusez-nous. Bien entendu. C'est trop dur. Laissez-moi 10 minutes. Ces messieurs désirent... Ils voulaient voir la chambre de Hertha. Madame Roland. Oui, inspecteur. Je voudrais vous poser des questions concernant la maison et aussi la famille. Dites-moi, Monsieur Kolka était marié sans doute? Il était. Madame Kolka est morte depuis 5 ans. Combien d'enfants avait-il? Hertha était leur fille unique. Oh. Qui habite encore ici, à part vous? Il n'y a personne. Je suis seule à habiter ici. Avez-vous une idée quelconque? Une idée très vague ou un soupçon sur qui pourrait avoir voulu la mort de Hertha? Je n'en ai aucune idée. Parlez-moi un peu de Hertha Kolka. Un amour affectueuse, dynamique, pratiquement douée pour n'importe quoi. Elle peignait, elle écrivait des contes, aimait la musique. Elle venait de commencer à apprendre la guitare. Elle travaillait à la fabrique aussi. Un petit ami? Bon, je sais pas, je dois dire... De bons camarades. Peut-on dire que des camarades sont bons ou non? Vous avez raison à ce sujet, merci. Désolé. Je comprends ce soir comment on devient fou. Ce qu'est la souffrance. Ce qu'on refuse de se coller dans la tête. Se dire que... son enfant est morte. Oui, c'est atroce. Que comptez-vous faire? Trouver le meurtrier. Tout, monsieur Kolka, bien entendu. L'assassin peut se trouver certainement dans l'entourage de votre fille, car il savait où et quand Hertha devait aller à son cours de guitare. Hertha connaissait beaucoup de gens. Elle avait des relations. Elle n'avait pas d'ennemis, j'en suis certain. Un de ses copains qui serait jaloux. Oui, ce serait peut-être un motif suffisant. Hertha avait un amant, peut-être. Je crois que son point de vue à ce propos était que les garçons sont trop intéressés pour se lier à un seul avant d'être bien sûr. La jalousie? Non. Je pense que ce n'est pas le cas. Nous permettez-vous d'emmener au bureau quelques affaires? Calepin, correspondance, quelques bouquins, des photos? Oui, oui. Prenez ce que vous voudrez. Écoutez.
écouter sans arrêt cette musique. Jamais elle ne se lassait de l'entendre. Il devient obsédant. Skirta avait une attirance particulière pour ce genre de musique. N'arrêtez pas d'être attiré par n'importe quoi. Car elle aimait tout. Elle aimait ce qui était beau. Qu'est-ce que j'apprends? Herta est morte? Dites-moi que c'est faux. En est-on certain? C'est une blague. C'est insensé. Dites que c'est faux, allez. Ne me dis pas que c'est vrai. Dis-moi qu'on a menti en me racontant ça. Qui vous a raconté ça? Quoi? Un type de la presse, il m'a téléphoné et a dit que Herta était morte. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. On l'a assassiné tout près de sa voiture. C'est effrayant. Qui êtes-vous? Brigade criminelle. Et vous? Dites-moi, qui c'est? Mon neveu, Ralph Kolka. J'ai monté la firme avec mon frère et mon neveu travaille dans mes bureaux. Ouais. C'est affreux. Mais qui a fait une telle chose? Pouvons-nous parler seuls un instant? Oui, venez. C'est pas possible, ça. Je me suis précipité dans ma voiture. Vous avez une idée de qui a pu faire ça? Non, aucune idée. Il n'y a pas eu de témoin? Personne ne peut abattre quelqu'un au milieu de la rue. Il y a forcément des témoins. Oh, excusez-moi. Bien sûr. Par ici. Vous vivez aussi dans cette maison? Moi? Non, ça, c'est celle de mon oncle. J'habite ma propre maison, tout près. C'était celle de mon père. On peut venir ici en traversant le jardin. Puis-je vous demander quand vous avez vu Herta pour la dernière fois? Cet après-midi. Nous avons une pièce commune, un bureau à la firme de mon oncle. Je me charge du service vente et elle s'occupait des achats. Oui, et vos rapports devaient être... Nos rapports? Oui, vous avez entendu la question. Comment vous entendiez-vous? Mais parfaitement, je lui avais dit, Herta, si tu n'étais pas ma cousine, je t'épouserais volontiers. Et à présent, il n'est plus là. Je n'arrive pas à le croire. Je ne la verrai plus jamais. Non. Qu'avait-elle comme genre de relation? Des tas de gens. Est-ce qu'un nom vous vient à l'esprit d'un seul coup? Il y en a une foule. Je peux en citer plusieurs, de nom ce journaliste, par exemple, qui m'a téléphoné. Ils se rencontraient souvent. H. Fabing. Non, je n'ai pas le temps. Ok, on se voit plus tard. Bon, je tiens à vous dire que je suis navré qu'elle soit morte. C'était une gosse adorable. Donc, Kobe, vous connaissiez Herta de longue date? Oh, ça faisait déjà un bout de temps. Je connaissais son nom, elle le mien, mais on ne se fréquentait pas. On avait chacun sa profession. Je m'occupais, moi, du côté gay de Munich et elle, du côté triste. J'aime beaucoup cette formule. N'est-ce pas? Je me charge de la rubrique mondaine. Mais ce n'est pas très réconfortant. Bon, et maintenant, vous voulez me poser des questions? J'aimerais vous en poser aussi. Nous avons un excellent café. Vous voulez y aller? Excellente idée. Je connais tout le monde dans ce cirque. Tout ce que Munich compte de dingue. En principe, c'est toujours les mêmes. La petite Herta Kolka n'était pas dans cette clique. Comment en êtes-vous certain? Herta furetait à droite et à gauche. Elle commençait à vivre. Elle aimait faire des expériences. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Un petit café? Oui, un café. Trois cafés. Qu'entendez-vous par expérience? Pas celle de Schwabing, inspecteur. Je veux dire qu'elle voulait s'intéresser à tout. Ce qu'elle ignorait, ce qui était étrange. Cette petite Herta vous en imposait? Oui, c'est exact.
Et je pense aujourd'hui qu'elle n'a peut-être pas eu de chance. En tout cas, elle m'en imposait. Que sait la police au sujet de son assassin? Une piste ou des hypothèses? Rien. Nous ne savons qu'une chose, c'est que l'assassin connaissait bien Herta. On cherche parmi toutes ses relations. Bien sûr, quand on connaissait Herta, on l'aimait. Brave petite. Je désirais que vous nous parliez un peu de ses fréquentations. Je vous propose une balade. C'est là que je commence ma tournée. Je vais voir si la faune est là. Ils y viennent tous au moins une fois par soirée. Je vous l'ai dit, toujours la même tronche. Vous trouvez cynique? Est-ce que vous l'êtes? C'est le métier qui veut ça. Hé, hey, salut, Kobe. Dis-moi, Herta serait morte, c'est vrai? On l'aurait assassinée. Comment savez-vous ça? C'est un véritable feu de paille. On l'a descendue pendant qu'elle était chez son prof. Non, non, ça c'était inexact. Il n'y a encore aucune explication. Ce sont des copains de Herta. Non, l'assassin n'est sans doute pas l'un d'entre eux. Est-ce que c'est l'un de vous qui l'a tué? T'es pas un peu dingue, non? Vous avez pu vous rendre compte. Ils ont tous été sonnés. En général, c'est de toute autre chose qu'ils parlent. Quoi, Herta assassiné? C'est pas dans leur milieu qu'on assassine une gosse comme elle. Vous devez le savoir aussi bien que moi. Oh, j'ai vu pire que ça encore. Ah, ça, c'est Gretschko. On ne connaît que lui. Je dépends un peu de lui et lui, il dépend de moi. En clair, lui et moi, on vit de ce que son père lui a laissé. Il connaissait aussi Herta Kolka. Camille, tu peux venir une minute? Je crois que je vais avoir mon article. Un moment, messieurs. Allez-y. Salut, Rocco, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne descends pas? Allez, monte. Merci, Rocco, mais j'ai deux amis de la police qui m'attendent. Monte, ils t'attendront. Herta est morte. Tu connais déjà la nouvelle. C'est de la folie. Elle a été abattue. Dans le dos, c'est moche. Par qui, ça? Aucune idée. On glande avec la police. Ils cherchent dans les amis de Herta. Parce qu'il se pourrait que ce soit l'un d'entre eux. Amène tes gars. Pour quelle raison? T'as dit que c'était des policiers? Brigade criminelle. Eh bien, je veux les voir. Ok, ok, ok. Rocco veut vous voir une minute. Il désire que vous le suiviez en voiture. Pour aller où? Chez lui, bien sûr, il vit à l'extérieur. Rocco en a pris un bon coup. Ouais, si ça peut lui faire plaisir, allons-y. Entrez, messieurs. Dites-lui ce que vous voulez boire, nous avons tout. Je crois que si on se présentait d'abord, ce serait intéressant. Inutile, ce qui vous êtes, c'est l'essentiel. Brigade criminelle. Prenez place où vous voulez. Si vous avez froid, Alfred, la cheminée. Ah. J'arrive pas à comprendre qu'on descende une fille en pleine rue dans la nuit. Et dans le dos. Oui, c'est exact, dans le dos. A-t-elle hurlé? Non, elle a été tuée sur le coup. Comment vous le savez? Vous étiez près d'elle? C'est ce qu'on nous a dit. C'est la déposition de son professeur de guitare. En entendant les coups de feu, il a foncé à la fenêtre. Il a vu le corps par terre. Elle était déjà morte. T'attends le déluge, allez? Champagne, allez. Herta et moi avions bavardé de la mort il y a à peine 2 jours. Ça se passait à quelle occasion? Oh, rien de particulier, je crois. On en parlait vaguement parce que c'est un sujet qui m'obsède. La mort. Ça me préoccupe très souvent, c'est atroce. Tout a une fin, non? Elle avait du mal à saisir. C'est sans doute une chose à laquelle elle ne devait pas songer. Oui, naturellement, elle n'y songeait pas. Alors, ça vient, ce feu? Oui, monsieur. Venez. Ai-je demandé à Ali de nous amener du champagne? Oui, vous le lui avez déjà demandé. La mort, pour elle, ne voulait rien dire. Vous nous avez déjà dit ça, aussi. Ah oui? Une nouvelle pour toi. Tu l'utiliseras si tu veux. J'avais demandé à Herta de m'épouser. Je voulais que ce soit spontané, un mariage d'une seconde à l'autre. Une décision à prendre d'un seul coup sans réfléchir. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait d'une telle idée. Qu'a-t-elle répondu?
Elle a rigolé. D'une telle façon que je ne lui en ai jamais voulu. Si Herta vivait encore, je crois que je lui redemanderais. Je n'en sais rien. Écoute... Veuillez entrer, messieurs. Merci. Quel travail de cinglé. Vous savez que je ne m'en aperçois que ce matin, parce qu'elle n'est plus à sa place, que jamais plus elle n'y sera. Hier, j'ai été atterré, mais maintenant, j'ai repris mes esprits, je crois. J'ai réalisé ce que nous avons perdu. C'est vous qui avez mis ces fleurs ? Oui, oui, c'est moi, oui. Mais venez, par ici, monsieur. Je ne comprends pas comment je peux travailler. Il faut bien, car les affaires ne peuvent attendre. Comment se comporte votre oncle ? Difficilement, je viens de lui téléphoner. J'ai assez peur pour lui. Ah oui ? Vous connaissez Gretschko ? Rocco Gretschko. C'est cet affreux millionnaire. Oui, je le connais. Saviez-vous que votre cousine le connaissait ? Très bien, même. Elle connaissait tout le monde. Cela ne m'étonne en rien. Voyez, ces roses. C'était ses fleurs préférées. C'est bizarre que la souffrance arrive par vagues successives et puis qu'elle s'estompe. C'est une expérience que vous ne connaissiez pas. Cette musique, qui a mis ce disque-là ? Ça n'a pas arrêté de la matinée. Monsieur Kolka, monsieur doit se trouver avec son frère. Veuillez m'attendre un moment. Que penses-tu, Stéphane ? Je pense encore à rien. Je ne trouve pas qu'il se comporte plutôt bizarrement. Peut-être. Je crois qu'il est parti chez mon père. La porte du jardin est ouverte. Et je vous ai dit que nos jardins se touchaient. Oui, vous nous l'avez dit. La porte est constamment ouverte. Elle l'a toujours été, depuis notre prime jeunesse. C'est ce que Herta a aimé le plus. Notre jeunesse. Ma femme est encore jalouse de notre jeunesse. Vous êtes marié. Comment je n'avais... Je ne vous l'avais pas dit. Non. Elle sert d'infirmière à mon père. Suivez-moi. Ah, te voilà. Ces messieurs sont venus au bureau. Ils voulaient te parler. Bonjour, monsieur Kolka. Bonjour. Par ici. J'étais venu pour avertir mon frère de ce qui s'est passé. La mort de Herta. Tu n'avais rien dit ? Non, tu lui as appris. Ah. J'ai voulu le lui apprendre. Il s'est rendu compte ? Mon père est très malade. Il a besoin de soins. Il est impotent, il est hémiplégique. Ah, il est dans un triste état. Seulement, il faut tout de même l'avertir. Et moi, je ne peux plus rester seul. C'est beaucoup trop dur. Voici ma femme. Carmen, ces messieurs sont de la police. Bonjour. 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 Ils sont venus à mon bureau. J'ai fait mettre des fleurs. Elles sont sur la table de Herta. Tu as raison. Mon mari avait beaucoup d'affection pour sa cousine. Ces messieurs le savent. Je peux vous offrir à boire ? Non, merci. Nous étions venus tout simplement pour avoir une opinion sur Herta Kolka. Son mode de vie, son caractère. Sur son caractère ? Ma femme lui trouvait un bel enthousiasme, une grande bonté, un peu comme moi. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? C'était une fille séduisante, très innocente. C'est absolument exact. Qui ne faisait de mal à personne. C'est ça le plus certain. Bien sûr, et pourtant, ne faire de mal à personne, est-ce que c'est possible ?
Votre frère est souffrant, disiez-vous. Oui. Depuis des années. Il ne bouge jamais de sa chambre. Il est presque... paralysé. Complètement. Sachez que c'est moi qui m'en occupe. Oui, oui, je comprends. Est-ce qu'on peut tout de même lui parler? Pourquoi faire? C'est inutile. Parce que je ne pense pas qu'il soit en état de vous entendre. Je désirerais le voir. Si vous voulez. Carmen. Suivez-moi. Merci. Bouge pas de là. Vous êtes vraiment infirmière? Dans cette maison, j'ai été forcée de devenir infirmière. Depuis longtemps? Depuis 3 ans. Votre malade est toujours enfermé? Mesure de sécurité, malheureusement indispensable. Oh. Monsieur Kolka. Monsieur Kolka, je... Est-ce qu'il m'entend? Oui, il vous entend. Vous ne vous y connaissez pas en maladie mentale? Non. Il entend tout, seulement le cerveau étant atteint, ne peut avoir la moindre réaction. Il n'y a aucun contact possible entre lui et ceux qui l'entourent. Parfois, il lui arrive d'être conscient. C'est plutôt rare. Les rares fois où il peut être conscient, comme vous le dites, est-ce qu'il est agressif? Cela peut arriver. Tous les malades deviennent agressifs, souvent. De ce point de vue, disons qu'il est... normal. Normal? Comment se comporte-t-il envers sa famille? Un malade de ce genre et sa famille n'ont plus de rapports normaux à aucun titre. C'est assez logique. Logique, oh. Oui. Dites-moi, avez-vous reçu dans ce domaine une formation? Inspecteur, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'en avoir une. Et vos études, où les avez-vous faites? À Buenos Aires. Je viens d'Argentine, allemande de naissance. Et comment êtes-vous entrée dans cette maison? Une petite annonce. On cherchait simplement une garde-malade. Ah. Ah, oui, oui, je vois maintenant. Et vous avez épousé le jeune Kolka? Oui. Ce sera tout. Est-ce que votre malade peut quitter sa chambre de temps en temps? Ça lui est déjà arrivé quelquefois. Quelquefois, ça veut dire combien? Souvent. Et est-ce qu'il s'est produit souvent des incidents graves? Non. Hans, c'est arrivé. Il y a de la visite, je vous dérange? Tu es au courant, je présume? Oui, je sais, c'est pourquoi je suis là. Carmen m'a téléphoné. La police est ici. Bonjour. Bonjour. Vous savez ce qui s'est produit? Non, rien du tout. Viens, entre. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Au revoir. Au revoir. Alors, tu as du nouveau? Non, absolument rien. Aucun motif à retenir. Pas un, ni de près, ni de loin. Si on cherchait du côté de la famille. Ah oui, mais qui ça? Je sais pas, le neveu. Mais pourquoi le neveu? Il se conduit de façon bizarre. Il n'avait pas l'air sûr de lui, il paraissait nerveux. Ouais, ouais, c'est très naturel. Curieux cette façon de mettre un bouquet sur le bureau, non? Il a peur de sa femme. Pourquoi veux-tu qu'il en ait peur? Et elle non plus n'était pas à son aise. Aussi nerveuse, mais d'une toute autre façon. Oui, et de quelle façon? Je n'en sais rien, ils étaient tous très énervés, bouleversés. Ralph Kolka, lui, il est constamment exalté, énervé, tendu, alors que sa femme reste calme d'un sang-froid étonnant. Et le vieux qui ne quitte pas sa chambre, hein, est enfermé en plus. Ah oui, c'est vrai, bien sûr.
Dis-moi, Harry, le frangin de Carmen, ce Hans, c'est ça, hein? Mm-hmm. Il a un métier quelconque? Oui, il est serveur dans un restaurant. Tu veux bien déjeuner? Oui, très bien. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Bonsoir. Est-ce que vous venez pour dîner? Nous arrivons un peu comme des chiens dans un jeu de quilles. Oui, en ce moment, nous avons pas mal de monde, mais dans une demi-heure, on va pouvoir s'arranger. Bien. Vous voulez attendre un peu? Volontiers. Nous avons la meilleure viande du monde. Suivez-moi. Tout va bien? Merci. Ça y est, ça va mieux, le coup de feu est passé. Je peux m'asseoir? Oui, naturellement. Merci. Je vais d'abord commander. Eric? Oui? Tu m'apportes un verre de vin. Ça marche. Merci. Avez-vous quelques questions à poser? Oui. Oui, quelques-unes au sujet de la famille Kolka. Ah oui, je comprends ça. Vous ne savez pas encore où chercher l'assassin et le motif. C'est logique que la famille vous intéresse. Que voulez-vous savoir? Commençons par n'importe quoi. Que pensez-vous de votre beau-frère? Ralph? C'est un bon garçon. Il nous a semblé qu'il était un peu affecté, exalté. Pourquoi est-il ainsi? Je pense que vous le connaissez mieux que nous. Oh, on ne connaît jamais personne. Je pense que beaucoup de gens sont secrets. Voilà. Merci. Je vois ce que vous pensez. C'est dur de vous dire grand-chose sur ce gars. Pas très intelligent. Je suppose que sans son oncle et sans la fabrique, il aurait du souci à se faire. Mmh. Mais quels étaient ses rapports avec sa cousine? Ça allait à peu près entre eux, mais je n'ai rien à dire de plus. Que veut dire à peu près? Vous savez, Herta était tellement... tellement pure et innocente. Est-ce que vous savez avec qui elle entretenait des rapports, disons, intimes ou particuliers? Oh, je savais que la faune de Schwabing la fascinait. Vous connaissez Gretschko? Rocco Gretschko. C'est un monsieur connu. Oui, je le connais, le millionnaire que ses millions en rendent tellement triste. Je l'ai plusieurs fois servi et ça a représenté un tas d'argent. Oui. Cela suffira. Ah, j'ai encore une petite question. Vous êtes argentin? Oui. Quand êtes-vous arrivé en Allemagne? Il y a 6 ans. En même temps que votre sœur? Oui, en même temps qu'elle. Et pourquoi êtes-vous venu? Oh, c'est très simple, parce que la situation n'était plus tolérable. Oui, je comprends très bien cela. Bon, merci encore. Mais de rien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous arrivez en pleine soirée. Je vais voir si monsieur a un moment à vous consacrer. C'est ça, vous allez lui demander. C'est une sacrée sauterie. Rocco ne fait rien à moitié. Que nous a dit Hans? Le millionnaire que ses millions rendent tellement triste. Mais je ne crois pas que ses millions puissent le rendre triste. Il s'agit certainement d'autre chose. Il est possible que ce soit sa nature, tout simplement. Ravi de vous voir chez moi. Bonsoir. Je vous en prie, entrez. On ne veut pas vous déranger. Ah, mais non, au contraire, j'ai mes potes qui sont tous là. Ils ont appris que Herta était morte et j'ai aussitôt organisé cette petite sauterie. C'est une fête pour elle. Et une petite fête d'adieu. Et par ici. Voyez-vous, nous nous rendons compte de ce que nous avons perdu. En outre, je ne peux plus rester seul. J'ai envoyé Bolteux, c'est mon chauffeur, chercher tous nos amis les plus chers, mais cela ne sert à rien. Mais ça me soulage. Allez, vous prendrez bien un verre. Vous allez trinquer avec moi. Alors, voyons, messieurs, buvez un verre, je vous en prie. À Herta. Est-ce qu'on peut dire que la mort peut rendre intelligent? Qu'est-ce que vous en dites? Ça paraît idiot. J'en ai assez de voir ces gens. Il faut qu'ils sortent de chez moi en vitesse. Dehors! Ça suffit! Sortez tous! Vous pigez, oui ou non? Dehors! Vous me fichez le camp! Dehors, dehors, dehors! Voudriez-vous me remettre le 10? Pardon. Soyez gentil, voulez-vous.
c'était sa musique. Une si jeune fille adorant une aussi triste musique. Elle m'a amené quelqu'un de sa famille un jour, un serveur argentin. Entendant cette musique, il est resté là sans rien dire. Je lui ai dit, à quoi songez-vous? C'est fou ce qu'il m'a dit. À la mort. Est-ce qu'il a dit autre chose? Je suppose que sa famille tout entière était morte là-bas. Vous venez voir mon oncle? Il est sorti. Il y a des jours qu'il reste à la maison. Il me laisse prendre les décisions, ce qui est fort étonnant. Avant, il me l'interdisait. Vous entendez? Je n'avais pas le droit. J'en étais malade. Je vous assure, malade. Venez. Vous êtes gentil. Vous avez fait enlever le bureau? Oui, oui, oui. Je ne supportais plus ce bureau. Je voyais sans cesse Herta morte devant moi. Êtes-vous allé quelquefois dans la maison de Gretschko? Oui, oui, il me semble, oui. Avec Herta et mon beau-frère. Qui vient d'Argentine? Oui, il y travaillait. Il est serveur dans un restaurant. Oui, oui, nous savons. Quelle est votre opinion sur Gretschko? Non, je le trouve plutôt drôle. Et Gretschko et votre cousine n'avaient quel rapport entre eux? Oh, vous savez ce qu'il faisait enrager, qu'elle ne soit pas attirée par lui, comme la plupart des filles. Il avait l'habitude qu'elle soit toute folle de lui, sauf elle. Vous l'avez vue? Mmh. Vous disiez un drôle de type, non? Vous voyez, je vais réfléchir, peut-être en y pensant bien. Il y a une idée qui me vient subitement. Peut-être est-ce lui? Non, non. Non, non, il a un alibi. On peut en acheter un. Oh, en êtes-vous sûr? Oh. Dites donc, que se passe-t-il avec votre père? Est-il aussi malade que cela? Est-ce que vous le pensez très atteint? Quels sont ses rapports avec la famille? Mon père, vous l'avez vu, il a perdu la raison. Il ne vit qu'en apparence. La clé de sa chambre, c'est ma femme qui l'a. J'en ai le double. Oui. Oui, mais il doit sans doute être sous traitement. Qui est son docteur? Acceptez-vous de nous donner le nom et l'adresse du médecin? Non, non, ce serait inutile. Mon oncle dit de ne pas dire un mot de son état à des étrangers. Mmh. Il a une bonne raison de le faire? Je suppose qu'il en a une. Oui, je le suppose aussi. Je parlerai avec votre oncle si vous me le permettez. Oui, Kolka. Bonjour, ici Derrick. Monsieur Kolka, j'ai une petite question à propos de votre frère. Qui est son docteur? Dites-moi où est-ce qu'on peut joindre ce docteur. Pourquoi voulez-vous ce... le nom du médecin de mon frère? Un moment. Madame Roland! Encore un instant. Je suis seul et la porte vient de se fermer. Que dit-il? Il a entendu claquer la porte et il est seul dans la maison. Allô? Allô? Monsieur Kolka? Monsieur Kolka? Qu'y a-t-il? Allô, monsieur Kolka? De derrière. Venez avec moi. Alors, Roland, venez vite et ouvrez la porte. Que s'est-il passé? Venez et ouvrez vite. Oui, oui. Bougez pas, surtout. Et ne faites pas un geste. Le téléphone est là. Vous n'effacez rien. On sait qu'on ne visait pas seulement Herta, oui. Le motif concerne également l'homme qui est par terre. Vous ne bougez pas de ce salon. Essayez de me trouver quelque chose. Amène-toi.
Kolka, que s'est-il passé? Qu'avez-vous entendu? Qui était dans la maison? A-t-il quitté la pièce? Est-il sorti pour aller dans l'autre maison? Écoutez, son frère a été assassiné dans l'autre maison, tout près d'ici. Alors dites-moi ce qui a pu se produire. Oh, voyons, madame. La porte de la chambre, elle devait être fermée à clé. Et il aurait pu sortir. Je n'en sais rien. Mais où étiez-vous? Vous étiez dans la maison? Je n'en sais rien. Je soigne M. Kolka depuis plusieurs années. Son état mental est à un tel point détérioré qu'il devrait être à l'hôpital psychiatrique. Kolka n'a plus aucune coordination. Ses fonctions de compréhension, de connaissance, de logique sont toutes devenues pratiquement inexistantes. Monsieur le professeur, néanmoins, j'ai une question à poser. Peut-il avoir commis un meurtre, un double meurtre? Oui, sans doute. Je pense qu'un déséquilibré mental peut assassiner quelqu'un, tout comme un être normal le pourrait. Mais il s'agit de quel genre de meurtre? Voilà, je désirerais savoir si par haine de sa famille, il aurait tué sa nièce et son frère. Est-ce possible, docteur? Comment les aurait-il tués? Avec un pistolet. En a-t-il un? On n'en a pas trouvé. Est-ce qu'il peut se servir d'un pistolet? Y a-t-il des habitudes que l'on n'oublie pas? Oui, je pense que c'est vrai. Il y a des choses qu'on peut garder en soi et le maniement d'armes peut sans doute être l'une d'entre elles. Mais où et quand aurait-il commis ces meurtres? Où? Monsieur le professeur, il aurait fallu qu'il puisse partir de chez lui sans qu'on le remarque, qu'il puisse aller prendre une voiture sans que personne ne le remarque, ou prendre un taxi, un autobus ou un tramway pour se rendre sur le lieu du crime. Aller se planquer quelque part pour repérer la place où il pouvait aller se mettre pour pouvoir tuer quelqu'un. Non. Tout cela est hors de question. Vous dites des choses qui exigent une parfaite logique de comportement et d'action. Ce qu'il n'a pas, c'est tout à fait exclu. C'est ce que je voulais savoir. Merci encore. Professeur, vous connaissez le fils de votre patient? Oui. Et comment le jugeriez-vous? Qu'il est psychiquement atteint également. Ah. Est-ce que Ralph Kolka est pratiquement, disons, au bout du rouleau? Non, on ne peut pas encore dire ça, seulement il n'en est pas loin. Il pourrait vraisemblablement y être un de ces jours. Je peux demander quel rôle cela joue? Quel rôle exact, je ne le sais pas. Vous connaissez aussi sa femme, Carmen, qui s'occupe de votre patient. Oui, je dirais que c'est une femme d'un dévouement étonnant. Vous savez d'où elle vient? Oui, d'Argentine. La dictature qui règne dans ce pays a torturé ou tué tous ses parents. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir, inspecteur. Notre restaurant a l'air de vous plaire. Nous avons très bien déjeuné hier. Si vous avez le temps, j'aimerais bavarder avec vous tout à l'heure. Mais vous choisissez mal le moment, c'est le gros rush. Nous pouvons attendre. Entendu, je vais vous installer à votre table. Bien. Suivez-moi. Merci bien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà. Maintenant, je peux respirer. Vous m'avez intrigué, tous les deux. Intrigué? Pourquoi donc? Vous n'êtes pas venu manger seulement. Kolka a été assassiné ce matin. Oui, on me l'a dit. Ma sœur m'a téléphoné. Que vous a-t-elle raconté? Que Kolka était mort, qu'il avait été assassiné, que le tueur avait dû s'introduire en traversant le jardin qui jouxte les deux maisons. Ce qui est plutôt bizarre, c'est que j'ai pu tout entendre. Entendre? Kolka était au téléphone et nous bavardions. Il s'est arrêté un moment, puis ensuite, j'ai entendu les coups de feu. Ah. C'est une coïncidence bien curieuse. Une demi-heure après, j'ai vu également son frère. Oui, ça aussi, ma sœur me l'a raconté. Monsieur Kolka était plutôt agité. Nous avons aidé votre sœur à lui faire une piqûre et à le calmer.
Oui. Oui, je sais que ce vieux était dément. Désolé de vous le dire, mais cet homme est infernal. Votre sœur avait dû s'absenter. Oui, pour faire des courses. Oui. Étrange, c'est qu'elle avait oublié de boucler la porte de la chambre de Kolka. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Oh, naturellement, ce n'était pas un reproche. Seulement, je me demande si vous pensez que dans son état, il ait pu commettre ce crime-là. Oui. Pourquoi pas? Nous avons posé la même question ce matin à votre sœur. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit... Oui et non. Oui et non. C'est la mieux placée pour avoir une opinion, parce qu'elle vivait avec lui, mais... Elle est toujours comme ça. Jamais elle ne dit très clairement ce qu'elle pense. Il faut la comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle a pu endurer. Ce n'est pas une raison pour la comprendre. Vous devez savoir d'où nous venons. Oui, nous savons, d'Argentine. Je sais que vos parents ont été tués, je vous comprends. Vous croyez? Vous ne savez rien, vous ignorez ce qu'on a enduré. Alors je vous interdis de dire ça. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Et pourquoi il s'énerve comme ça? Peut-être parce que mes questions sont allées trop loin. Alors, vous m'attendiez? Oui. Pourquoi? Parce que nous avons encore des questions. Soudain, vous avez pris peur et vous vous êtes enfui du restaurant. Je sais qu'il est déjà tard, mais je connais un bar où nous pourrons parler. Que faisaient vos parents à Buenos Aires, dites-moi? Ils possédaient un hôtel. Mais à part l'hôtel, nous avions des mines, une hacienda, et aussi un élevage. Et pas mal de terres, des centaines d'hectares. C'est assez difficile à réaliser. Je comprends que vous étiez à l'aise, tous. À l'aise, rien de le dire. Nous vivions d'une façon que personne ne peut s'imaginer. Nous nous entendions bien et notre vie était amour et compréhension. Mais on ne peut pas comprendre quand on n'a jamais connu ça et vous ne pouvez pas comprendre. Un moment. Vous parlez de ce que les militaires ont détruit. Oui. Je crois que vous avez eu tous de grosses difficultés. Bonsoir, monsieur. Donnez-moi... Vous désirez? Un café. Deux cafés, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. Ouais. Les opposants au régime se réunissaient dans notre hôtel, mais mes parents ne se doutaient de rien. Ah. Et vous vous êtes fait prendre, c'est ça? Nos parents ont disparu. C'est à vous de deviner la suite. Et personne n'a pu réussir à savoir ce que vos parents étaient devenus? Si. Deux cafés. Merci. Merci. Je vous en prie. Non, ça ira. Vous êtes très gentil. Oui, mon père. On m'a dit qu'il était en prison pour le faire avouer, pour qu'il donne des noms, mais que vouliez-vous qu'il dise? Il ne savait absolument rien. Ils l'ont mis dans un avion et l'ont balancé à la flotte. Ma mère, elle, je l'ai revue. Des années plus tard, en tout cas. Quand on a trouvé les fosses communes. Je pense que vous êtes satisfait, inspecteur. Bonne nuit. C'est lui. Harry, c'est bien lui. Hans Mahler. Il a tué Hertha et puis il a tué son père. Entendu, mais tu dis ça comme si tu en étais sûr. Oui, mais pourquoi lui? Tu veux me dire pourquoi? Il faut bien avoir un motif, je suppose. Lequel? Et moi, je n'en vois aucun. Harry, écoute-moi bien une seconde. J'ai appris que sa famille en Argentine était très à l'aise, et beaucoup plus que ça. Ils étaient très, très riches. Bon, toutes les conditions étaient réunies pour être peinard et vivre tranquillement. Alors Hans m'a dit qu'il pensait que cette opulence
était tout à fait dans la norme des choses. Et soudain, voilà que tout ce qui lui semblait naturel est brisé d'un seul coup par une vacherie de dictature qui ne connaît que la violence. Et ses parents meurent sans laisser de traces. Et alors ? Et alors ? Oui. J'ai vu souvent dans de nombreux cas des victimes se transformer en bourreaux. En tuant des innocents. Cela n'a aucun sens. Harry, des mines, une hacienda, ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer. Fabriques, usines, hectares et maisons. Ces gens ont tout perdu. Et alors ? Il chercherait à récupérer ce qu'il a perdu jadis. D'une façon tellement atroce. Une situation si incroyable, une situation si effrayante, qu'elle en paraît irréelle. Que le meurtre puisse se comprendre à cause de cela et qu'une injustice en légalise une autre. Qu'est-ce que ce serait ? Ce serait l'abolition de tout. Je vous en prie, inspecteur, entrez. Merci. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tout me tombe sur la tête. Depuis que mon oncle est mort, je dois tout diriger. C'est beaucoup trop me demander. Je vois que vous avez fait remettre le bureau à la place où il était. Oui, pour mon beau-frère. Il a dit qu'il voulait m'aider, qu'il ne désirait plus être serveur. Vous savez que sa famille était fort riche. Il s'y connaît assez en affaires. Je suis bien content qu'il m'aide un peu. Comment se sent votre femme ? Elle est plutôt sonnée. La mort de mon oncle a été un terrible choc. Est-ce qu'elle est chez elle ? Elle refuse de sortir. Est-ce que vous savez quels étaient les rapports qu'elle entretenait avec son frère avant ces incidents ? Je sais qu'ils étaient excellents. Elle avait avec sa famille d'excellents rapports. Vous avez entendu parler de ce qu'ils ont tous enduré ? Oui, c'est effrayant. À présent, la santé de votre femme n'est sans doute plus qu'elle devait être. Non, elle ne s'en remettra plus. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici ? Oh, je poursuis l'enquête à propos de ces deux meurtres et c'est difficile. Vous n'êtes plus serveur, m'a-t-on dit. Non, mon beau-frère m'a prié de venir l'aider. Oui, vous ne le savez sans doute pas, mais j'ai une bonne formation commerciale. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. J'espère que cela vous rendra service à tous. Bon, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, que voulait-il ? Il voulait voir Carmen. Je reviens tout de suite. Carmen, écoute, je dois absolument pouvoir compter sur toi. Il faut que tu me le promettes. Carmen, tu m'entends ? Carmen. Qu'est-ce que tu as ? Rien. Je me sens pas bien. Elle est forcément chez elle. Que vous n'alliez pas bien. Ne bougez pas, restez assise. C'est votre frère Hans qui a assassiné Herta Kolka et son père. Elle a supporté trop de choses. Seulement, c'est terminé. Amenez-vous vite.
Mais pourquoi s'est-elle tuée? Voulez-vous connaître sincèrement la réponse? Ich bin erneuert.